C'est la télé canadienne. Merci de nous avoir reçu en interview après tous ces événements. Je sais que ça a clashé avec ton groupe et tout, mais raconte-nous un peu comment ça s'est passé, les débuts, la fin, les tensions, le départ de Julie Jules, de Ganja et ton amour fou pour MC Johnny. Est-ce que tu peux nous parler, parce qu'on était ce matin aux enregistrements avant les balances au club Super VIP de Poker World. Est-ce que tu peux nous parler un peu pourtant ça se passait bien aux enregistrements, j'étais là. C'est clair, c'est clair, c'est putain de clair. Ce matin, tout était exceptionnel. Leur travail professionnel, leur flow américain, tout ce que je réclame, tout ce que j'attends des artistes que je produis, tout était resplendissant. J'ai une authentique relation avec chacune d'entre elles. Je pratique la polygamie chaque jour. Et Juicy Jewel, elle vous a chopé, toi. Et pendant les interviews particulières, je vous ai vu. Excuse-moi, on a dû diffuser parce que ça nous a apporté beaucoup de, tu sais, les followers et tout. Et tu t'es fait griller, malheureusement. Mais elle savait pas pour le polygamie. Trippin n'est jamais grillé. Trippin est authentique, Trippin sait ce qu'il fait. Je les prends d'un point A à un putain de point B. Et j'ai de la peine pour le public, c'est pour Ouais, ça ben que oui. je regarde cet objectif. 5 ans à les emmener du plus bas au plus haut des sommets. Des niveaux, oui. Trippin, on comprend cette déception. En tout cas, peut-être tu vas te relever maintenant. MC Johnny, tu es toujours avec MC Johnny? Toujours. Ouais, vous allez peut-être faire un duo, je sais pas. J'ai déjà pris contact avec toutes mes relations à Washington, Dallas, Chicago. Advienne que pourra, mais le Tout-Puissant est à nos côtés, t'entends? Oui, merci Trippin pour cette interview et nous sommes désolés encore une fois pour toi et nous te souhaitons un super avenir. Et encore merci. J'aurais souhaité mon frère faire preuve de... Tu sais... C'est assez difficile pour moi. Dans mon cœur,
avec leur polo Lacoste. Tu pas difficile quand c'est facile. Mais c'est pas parce que je m'appelle Jill que je vais sucer ta pile. Je suis pas ta copine. Fais pas ton macho, mon coco, t'es juste un petit gros. Mais si t'as de l'extasy, vive la sympathie, je t'emmène dans mon lit. J'aime ce qui est bon pour la peau, le sport c'est au dodo. Et je t'adore, Mario. Ouais, dédicace à Tripide. Pourquoi Mario Bros? Parce que Mickey Mouse. Ouais. Cette mini interview à l'extérieur, après les balances, j'ai pris un peu une petite vidéo, je peux te la montrer, ça va passer sur notre chaîne canadienne. Merci pour cette interview. J'ai senti qu'il y avait quand même quelques petites tensions dans votre groupe, les Wolf Girls et les Wolf Gang, pardon, et votre morceau, les Wolf Girls de Wolf. Raconte-nous un peu, parce que j'ai senti que tu voulais un peu parler et tout, c'était ta relation avec Trippin' et Johnny MC et les autres filles. Ouais, je vais commencer par les autres, hein, parce que déjà, là, la nana Ganja, Shikata, je sais pas quoi, là, je l'ai clashé, c'est barré, c'est quoi, tant mieux, c'était une pif pour ce groupe. Les deux autres, là, Dean et So, je crois qu'elles sont lesbiches, là, hein, tu sais, ça se langue dans le coin, là. Et puis, la dernière, là, Miss MC, je sais pas quoi, là, et puis... MC Johnny, yes, oui. MC Pétasse, ouais. Putain de merde. Putain de merde, Trippin', tu fais quoi là? T'es sérieux? Tu fais quoi avec cette pute? Hé! Je sais, ferme ta gueule là, dégage! Qu'est-ce que tu. Non mais t'es relou là! Tu me prends. Qu'est-ce que tu. Tu me prends pour qui? Tu crois que je suis une pute moi? Non, sérieux, continue à bouffer ton foin avec tes sales choix! Arrête! Je me barre! Dégage, dégage! C'est ça, casse-toi là! Même si pétasse! Casse-toi! Tu poses cette putain de main sur mon visage américain? As-tu la moindre idée du prix? Hein? Salope.
J'ai l'entourage nécessaire, la forme et le fond. La motivation première, elle évoque des thèmes concrets. Je concrétise, fonce, elle est con, j'évite. Elle est vite autour d'un narc qui pas me ronge, j'évite. Alors emballe tes buts, tout en maquillage, j'étais sans faille. C'est une fois de toi qui nous atterri en centre du jeu, délivre un rap hardcore. J'reste carré dans mes thèmes et carrément des mots. Des séances sacrificielles pour écrire sans. C'est l'histoire d'un petit qui voulait faire partie des grands. Mais carré quand tous sont partis, qui reste que des pourris à l'écran. J'arrive pour aimer dans les temps, parce qu'ils pouvaient pas faire des cons. J'aurais fait la même il y a 20 ans, on m'aurait traité de tous les noms. Mais bon, j'ai bon travail derrière et ça se ressent, je pense. À quoi bon parler de carrière, pour ça faudrait que je reste en France. J'arrive sur ce français, mais ne souris pas, j'ai le compte, c'est déjà bien. Tu t'attendais à quoi, mon gars? Des gamineries, y'en a déjà plus d'un pour les faire. La maman, il veut que ça évolue. Sur ce, peace, les frères.